elles vont jouer un rôle énorme. Et pour un historien, ce sont des phénomènes qui sont vraiment très intéressants à étudier. Parce que faire l'histoire d'une pandémie, c'est faire l'histoire de la circulation des hommes dans des sociétés connectées. C'est aussi faire l'histoire des animaux qui circulent dans ces sociétés et peuvent transmettre un virus. Faire l'histoire d'une pandémie interroge la place de ces animaux dans nos sociétés et la façon dont nous les traitons. C'est également faire l'histoire de la circulation d'un savoir produit à un moment donné dans le but de comprendre un phénomène nouveau et d'informer des politiques publiques qui ont vocation à juguler une crise. Et l'impact de certaines pandémies a pu être considérable. En 1918, la grippe espagnole a infecté plus de 500 millions de personnes et elle a fait plus de morts que la guerre. Et de fait, les pandémies n'arrivent jamais seules. Elles se développent dans des sociétés déjà fragilisées par la guerre, des privations, ou la famine. Par exemple, en 1665, la Grande Peste a tué 20% de la population londonienne. Et la société londonienne a été si fragilisée qu'elle s'est trouvée exposée à tout un tas de risques urbains, comme le grand incendie de 1666, qui a réduit en cendres 13 000 maisons. Les pandémies ont aussi des conséquences culturelles. On cite souvent en ce moment le Décaméron de Boccace, écrit après la peste noire du milieu du XIVe siècle, qui a décimé entre 25 et 50% de la population de certaines villes européennes. On pourrait également mentionner ce régime fanatique mis en place à Florence par Savonarole après la peste de 1495. Oui, il y en eut beaucoup. Peut-être que l'un des plus intéressants pour l'historien des mobilités, c'est la multiplication des lazarets en Méditerranée du XIVe jusqu'au XIXe siècle dans le but de contenir la peste. À l'époque moderne, l'Empire ottoman est sujet à de nombreux épisodes épidémiques. Et les États du nord et de l'ouest de la Méditerranée, mais aussi les empires continentaux, se retrouvent dans la situation relativement compliquée de devoir maintenir un commerce important avec l'Empire ottoman, tout en se prémunissant contre la peste. Ce commerce permettait aux marchands de dégager des bénéfices considérables et aux États des revenus fiscaux très intéressants. Il était donc indispensable. Alors, ces États ont développé un système de quarantaine généralisée le long de leurs frontières continentales et maritimes avec les territoires gouvernés par le sultan ottoman. Il a perduré pendant des siècles et quiconque venait de l'Empire ottoman, marchand, diplomate, simple voyageur, devait s'astreindre dans un lazaret à une quarantaine d'environ 2 semaines avant d'espérer entrer en ville. Marseille, Livourne, Venise, Trieste, ont les lazarets dont on se souvient aujourd'hui, mais on pourrait également citer Zenum, qui est un faubourg de Belgrade, en Serbie. Ça n'est pas qu'une histoire méditerranéenne, c'est aussi une histoire européenne. Oui et non. À l'époque moderne, les États n'ont jamais véritablement été capables de contrôler les circulations. Au mieux essayait-il de les gouverner avec des succès variés. Et un lazaret n'a jamais eu pour vocation d'endiguer des circulations. Il s'agissait plutôt de tenter de les canaliser, voire de les promouvoir en assurant une certaine sécurité sanitaire. Les lazarets étaient très différents des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. C'était des espaces clos et permanents. Alors, ils pouvaient être composés de plusieurs bâtiments pour héberger les personnes, entreposer leurs marchandises. Il y avait également un espace sanitaire qui pouvait ressembler à un dispensaire. Mais très concrètement, les personnes en quarantaine avaient une vie sociale. Elles se liaient entre elles, elles négociaient, elles se disputaient, elles y mouraient, elles pouvaient même y donner naissance. Et dans certains cas, le lazaret avait la fonction d'un marché du travail pour les nouveaux arrivants qui s'y faisaient recruter. Ils y trouvaient un emploi avant même d'arriver en ville.
les lazarets étaient quasi systématiquement associés à l'administration des douanes. Et de façon générale, c'était des espaces de grande mixité. Mixité de genre, mixité linguistique, mixité religieuse. Oui, parfois, on y trouvait une chapelle, et cette chapelle avait pour vocation de répondre aux besoins spirituels des catholiques, mais aussi de surveiller leur fréquentation, et, bon, le cas échéant, de tenter de convertir les autres. Alors bon, les lazarets étaient des espaces de promiscuité toute relative. Les grands ports de Méditerranée étaient tous en compétition les uns avec les autres pour offrir le lazaret le plus grand, le plus moderne et le plus confortable afin d'attirer le plus de personnes possible. Il pouvait y avoir un certain confort et le confort des personnes importantes était fondamental puisque ces personnes faisaient la réputation du lazaret et par leur présence, elles garantissaient la prospérité économique de la ville. À Trieste, par exemple, la création du port franc en 1719 conduit à la construction d'un premier lazaret. Mais très vite, l'importance prise par le commerce avec l'Empire ottoman est telle que l'intendance commerciale qui gère la ville souhaite bâtir un second lazaret ou se trouve devant la nécessité de devoir bâtir un second lazaret, le Lazaretto Sporco, cette fois-ci au nord de la ville. Et ce second lazaret, d'une certaine manière, incarne l'unité des différents acteurs de la ville de Trieste, dans le sens où il est financé à la fois par les Habsbourg, à qui appartient Trieste, mais aussi par la noblesse locale, par l'élite municipale, et par les communautés marchandes, grecques et juives, pour lesquelles ce second lazaret est absolument essentiel au développement des activités économiques. Il fallait attirer le plus de marchands possible. La tolérance religieuse, ou peut-être l'indifférence religieuse, y était un acquis pour les juifs, pour les protestants, pour les orthodoxes, pour les arméniens et pour les musulmans qui traversaient la Méditerranée. Et d'une certaine manière, Trieste reflétait la tolérance religieuse de son lazaret. D'ailleurs, en 1769, on peut comprendre que l'ouverture du Lazaretto Sporco ait été célébrée par des grandes festivités publiques, presque comme un moment de refondation de la ville. Des archives, beaucoup d'archives, et dans des langues très différentes d'ailleurs. Mais je crois qu'il reste aussi une mémoire. Au début du XIXe siècle, le lazaret de Trieste symbolisait l'identité multiculturelle de la ville. Et cette identité multiculturelle était revendiquée par tous comme l'indice d'une société en bonne santé.